Salut à tous, ça Ezo. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo et aujourd'hui, le thème est très simple. J'ai été voir les gens dans la rue et je leur ai demandé si les Françaises et Français étaient plus infidèles en été. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, à vous abonner en activant la cloche de notification, à me dire en commentaire si vous, vous pensez que les Français et Françaises sont plus infidèles en été. Et moi, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, du coup, là, on est avec qui? Pierre-Olivier. Théo. Bernard. Milan. Est-ce que vous êtes en couple? Non. C'est libre? Ouais. Tu cherches un peu là ou pas? Non, même pas. C'est l'été, j'aime pas. Je suis pas en couple, Moi, je suis pas en couple, moi. Célibataire, tu connais. Tu cherches un peu, vous cherchez vous deux? Hein? Non. Non. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne, le destin. Ouais. Ça fait longtemps? Non. Combien de temps à peu près? 3 mois, un truc comme ça? Ouais, ça fait un certain temps quand même. Ouais. Non. Non. Vous cherchez un petit peu là ou pas? Pour l'instant, non. Oh, on cherche, hein. On cherche un peu comme du taf, tu cherches une meuf comme tu cherches du taf. Exactement. Non, vraiment pas trop. Non. Oui, non. Ça fait longtemps? Non. Et toi, tu cherches ou pas? Je cherche pas, ça arrive, mais... Ouais, voilà, pas spécialement. Voilà. Non. Tu cherches un peu ou pas? Non, ça cherche pas l'amour, ça se trouve. Non. Du coup, tu recherches un peu là ou pas? Non, 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 pas forcément. Pas forcément, si ça vient, ça vient, sinon... Ouais, voilà, exact. Oui. Ça fait longtemps? Non. Non, c'est tout récent? Oui, tout récent. Non. Non, célibataire? Ouais. Tu recherches? Non, non, pas, pas spécialement, c'est si ça vient, ça vient, sinon, voilà. Non, 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 c'est... Célib? Ouais. Tu cherches? Ouais, ouais, vas-y, ouais. À chaque fois, il y en a beaucoup, hein. Non. Non. Vous cherchez? Non. Non plus. Tu t'en fous? Ouais. Non. Non. Vous cherchez un peu ou pas? Même pas, hein. En vrai, je m'en fous de ouf. En vrai, je m'en fous de ouf. Un menteur, quoi. Oui. Non. Non, du tout. Non. Non. Moi, non, pas en ce moment-là. Célibataire. Célibataire, célibataire. Oui. Ça fait combien de temps? Ça fait 3 mois. Moi, j'avoue, c'est compliqué. Franchement, non. Moi, non. Vous recherchez un peu ou pas du tout? Ouais, tous les jours. Ouais, tous les jours, hein. On est là, on cherche. Non, moi, je peux pas, là, c'est compliqué, je t'ai dit, c'est rude. Oui. Depuis combien de temps? 9 mois. Donc, ça va, ça fait un petit bout de temps quand même. Ouais, ça fait un petit bout de temps, oui. Donc, la question aujourd'hui, c'est est-ce que selon toi, les Français sont plus infidèles en été? Ah, moi, je pense, ouais, honnêtement, non. Ouais, honnêtement, ouais. Moi, je sais pas. Ça chauffe, hein. Moi, ça chauffe, hein. Ouais. Non. Été, tu parles pas d'infidélité, hein. Si, 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 si. Non, tu parles de quoi alors? Tu parles de partir en vacances avec sa petite copine, tu connais, il n'y a pas d'infidélité aussi. Bah oui, parce qu'en été ça sort en boîte ça, la copine elle va en vacances, l'autre il part ailleurs. Tu vois, c'est sûr ça flop. Si t'es pas avec ta meuf pendant l'été, c'est sûr que ça part loin. Moi je... Du coup, si là maintenant t'as ta meuf, ouais, cet été, tu pars en vacances, elle part en vacances, à l'opposé, ça se passe comment? Ah moi je suis fidèle, hein. Non, moi je suis fidèle, hein. Non, moi je pense que bon, on peut loucher un peu parce que ça commence à se dénuder un peu, tu connais, mais... C'est dans la tête. Donc moi je pense que je vais rester fidèle. Tu vas rester fidèle, toi? On reste fidèle, on reste fidèle. J'ai pas besoin de te faire des dessins, il y a le meilleur truc qui passe devant tes yeux. Mais maman, ma meuf, ah moi je suis plus fidèle, hein. Ouais. Je pense, ouais. Et toi? Ouais, je pense. En fait, ça dépend. Oui. Moi je pense que c'est la saison des amours comme les animaux, tu sautes sur l'occasion, tu sautes et tu sautes surtout, frère. Ouais. Oui. Ah ouais. Je pense l'été. Après peut-être. Enfin, chez les jeunes en tout cas, je pense qu'il se passe pas mal de choses l'été, ouais. Non. Parce que les gens sont en maillot de bain, tout ça. On dirait. Du coup, ouais, toi, tu penses en été, c'est plus infidèle, tout ça, les gens, les soirées, les tout. Ouais. Et toi, du coup, toi, pour toi, non, ils sont... C'est la même. Et le reste de l'année, ils sont infidèles, les gens, ou pas? Non, toi, ils sont tous réglo, tout. Non. C'est lesquels pour on toi? Tout le monde, pour toi, pour toi, ça serait qui, alors, du coup, les plus infidèles? C'est les Congolais et les Antillais aussi. Ouais, voilà, les Antillais, c'est ça. Guadeloupe. Toute l'année ou que l'été? Toute l'année. Ouais, pendant les grandes vacances, ouais. Et toi? Bah oui. Bah je dis ouais, hein. En vrai, ça dépend. S'il y a des gars comme lui, ils sont infidèles tout le temps, mais vas-y. Mais en été, je pense, parce que vous, comment ils s'habillent, en vrai, les mini shorts, tout ça, ouais, de ouf. Du coup, toi, tu penses l'été, la chaleur, les shorts, les soirées, tout ça, tu penses qu'il y a plus. Je pense, hein. L'été, ça veut dire piscine, tout ça. Du coup, tu vois, les... Ah, ça fait craquer, oui, ça fait craquer. Pas moi, personnellement, lui peut-être. Ah ouais, je pense, en vrai de vrai, ouais, ça y est, c'est sûr. Ouais, je pense, ouais. Et toi? Ouais. Non, même pas, hein. C'est tout le temps. Grave, toute l'année. Ouais, c'est toute l'année. Ah, l'été, c'est chaud, hein, parce qu'il y a les filles, il y a les mini-shorts. On va dire, c'est une période assez... infidèle, on va dire, ouais, je pense. Du coup, toi, pour toi, ouais, ils sont plus infidèles en été. Sûr. Ah, ça, c'est sûr. Ouais. Et toi? Bah oui. Ouais, ça, c'est sûr, ça. Ça, c'est sûr. Comment ils sortent, les meufs? Les gens, ils se détendent. Ouais, ouais. Ils aiment bien se déshabiller. Ils aiment bien attirer l'homme. Les hommes, je sais pas comment dire. Ouais, ouais. Et toi? Bah ouais, c'est vrai. Et toi, du coup, pareil? Ouais, pareil. Hein. Je suis d'accord avec eux. Ils ont raison. En général? Ouais, en général, est-ce que... Plus oui, ouais. Et pourquoi, du coup? Après, vous voyez, on profite de la vie. Vous voyez, nous, on est ouvert d'esprit, du coup vas-y, on profite de la vie, c'est tout. Il fait chaud et tout. Après la plage et tout, là, il y a trop de testostérone dans l'air. Je sais pas, ils voient un corps dénudé, on va dire, et ils vont direct dévier le regard en mode. Plutôt les gars ou les filles? Les deux, je suis désolée, les deux. Ah, au moins t'es honnête. Est-ce que toi t'es infidèle? Non.
C'est pour ça que tu veux pas te mettre en couple en été, avoue. J'aime. Tu sais que tu vas être infidèle. Mentalement, tu sais que t'es pas puissante. Non, non, même pas. Mito. Non, je te honnêtement, t'as vu, tu rigoles, ça veut dire ouais, que t'es. J'avoue, c'est vrai en plus. Avoue, c'est pour ça que tu veux pas te mettre en couple pour être sûr de tromper personne. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça. Ouais. Au moins, t'assumes, t'as vu. Hey, y'en a, tu vois. Tu vois, ils sont là et tout, ils disent ouais, ils partent en vacances, ils montent à leur gars, les, surtout les meufs. Ils montent à leur gars, ouais, je vais en vacances, tout ça. Elle, tu la retrouves dans un camping avec 10 gars, n'importe quoi. Ah, donc toi, c'est plutôt les meufs qui. Ouais, mais même les mecs, hein. Même les mecs, la meuf, elle dit ouais, vas-y et tout. En fait, ils aiment bien se tromper mutuellement. Genre, en fait, il dit ouais, sa meuf, elle lui dit ouais, je vais en camping, tout ça. Il lui dit bon, ok, je reste ici, mais vas-y, va pêcher ses copines en attendant. Et du coup, pour toi, pourquoi l'été et pas l'hiver? Parce que l'hiver, il y a la montagne, il y a des campings aussi, tu vois. Ah, l'été, c'est parce que les minettes, elles sont bien. Les minettes, c'est bien. Les minettes sont sorties. Les minettes, elles sont sorties, hein. Elles sortent leur cuisse et tout, tu vois. Ouais, mais l'hiver, ils sortent aussi. Bon, ouais, ils sortent mais, pas leur cuisse. Mais l'hiver, tu vois. Enfin, t'as vu là, comme on est à Châtelet, il y a v'là le monde. Bon, en hiver, tu vois pas le bout comme ça. Hein. C'est l'été, c'est la période. Voilà. Il fait chaud, ça monte. Il fait chaud, ça monte. Les hormones montent un peu. Et toi? Ouais, il a des regards qui va un peu par-ci par-là. Ouais, mais en hiver aussi, il peut avoir des regards par-ci par-là. Ouais, mais on a des manteaux. Ouais, mais il a. Les manteaux, ça te protège. Ouais, voilà. Et toi? Bon, je pense en hiver, c'est plus d'infidélité. Ah ouais, en hiver, pour toi, il y a plus d'infidélité qu'en été. Franchement, enfin, sûr. Les gens, ils ont besoin de se réchauffer. Ah ouais? Franchement. Parce que ça favorise l'environnement de ça, ça a plus de connexions, plus de la relations. Et tout. La chaleur monte ouais. Dans tous les sens du terme. Je pense qu'en été, il y a beaucoup de gens qui se font tromper, c'est sûr. Tu penses que tu vas te faire tromper ou pas? J'ai pas envie de penser à ça, mais je pense pas. Non, tu penses pas. Faut faire confiance. Et du coup, est-ce que toi, t'as déjà été infidèle en été? Ouais, ça m'est arrivé, ouais. Malheureusement. Et pourquoi, du coup? C'est quoi? Ça a été quoi la raison? Faute de disponibilité de ma conjointe. Du coup, pas disponible, du coup, t'as été voir ailleurs. Voilà, c'est ça. La tentation était trop puissante. La tentation, frère. L'attente était trop difficile. L'attente trop difficile, trop de frustration, frère. Parce qu'il y a plus de tentations, voilà, je pense que. Il y a plus d'occasions. Plutôt garçon ou plutôt fille les plus infidèles en été, ouais, selon les garçons. Toi garçon comme en général, je pense, comme toute l'année. Et pourquoi pas les filles Bah, je sais pas, je... Et pourquoi l'hiver, il y aurait moins de personnes infidèles? Parce que l'hiver, il fait plus froid, il y a moins de choses, les gens, ils sortent moins, il y a moins de... Enfin, voilà, c'est pas la même ambiance. Bah, parce que l'été, on s'amuse. Ah, on s'amuse, le soleil, les vacances. Les vacances, tout ça. Et du coup, c'est plus... Il y a moins de sérénité. Ouais, du coup, c'est on se laisse aller, quoi. Ouais, ouais. Et du coup, ouais, pour toi, c'est plus en été qu'en hiver. Ou c'est toute l'année, l'infidélité, pour toi? Je dirais plus en été. Ouais, en été, parce que des contrats, on va dire. Ouais, ouais. Parce qu'il fait plus chaud, les vêtements deviennent plus courts et les garçons plus bêtes. Parce qu'il fait chaud, il y a des filles, il y a la plage. Mais le reste de l'année aussi, il y a des filles. Ouais, mais non, quand en été, c'est plus hard. Et toi? Parce qu'elle se déshabille en été. On voit que leur cul, on voit que des culs et des seins, frère, partout. Ouais, mais dans le reste de l'année aussi, des fois, ça. Non, l'été, c'est pire. Il y a les bases de loisirs, il y a les fêtes et tout. Non, c'est pire. Les vacances, changer de pays, les meufs, la plage. Ouais. Non. Pour en été, pour vous, c'est... Non, pas pour nous, mais je pense que les gens... Oui, non, mais pour vous, les gens sont plus infidèles. Ouais, moi, je pense. Ouais, mais l'été, avec les fêtes, les vacances, les soirées, tout ça, tu penses pas qu'il y a plus de... Il y a de la tentation. Moi je sais pas, moi je pense que c'est toute l'année, hein. Toute l'année pareil. Toute l'année ouais, fort. Et toi t'es plus infidèle en été ou pas? C'est dur de répondre, hein. Bon, c'est tentant, ça dépend. Des fois ouais c'est tentant. Des fois ouais c'est tentant, c'est vrai qu'on voit une petite fille passer comme ça, c'est chaud. Franchement c'est chaud. On divague un peu. On divague un peu, c'est vrai. Après on a des yeux, c'est fait pour regarder, donc du coup voilà. Bah parce que c'est les vacances. Ouais, mais en hiver aussi il y a des vacances. Ouais mais là c'est l'été, c'est le... Il y a tous les fêtes... Ibiza et tout, non mais... Du coup, toi, en été, les fêtes, les soirées... Non, après, je parle pas de moi. Moi, je suis fidèle. Merci. Bah, l'été, on fait tout ce qu'on veut. Je sais pas, on est libre. Ouais, mais non. Entre amis, je sais pas. L'hiver aussi, tu peux faire ce que tu veux. Non, il fait froid, t'as pas envie de sortir. Du coup, ouais, c'est pourquoi? C'est parce que c'est les habits, il fait chaud. Ouais, c'est les habits, c'est ça, c'est la chaleur, tu vois. Ça force les gens à se dénuder un peu, tu vois, pas le délire. Du coup, ça monte un peu les esprits, voilà, du coup. Ça augmente la température un peu l'été. À chaque fois, c'est normal. C'est normal, il y a plus d'infidélité, c'est normal. Et du coup, vous, est-ce que vous êtes infidèle là? Moi, je t'aime pas de temps en temps. De temps en temps. De temps en temps. Après, si j'ai ma femme bien, tout ça. Et... Quand l'envie vient. Voilà, exactement. Moi aussi, je suis infidèle. Ouais, mais moi, je suis infidèle. Au moins, c'est bien, vous assumez. Ouais, moi, je suis honnête, je suis infidèle. Bah, l'hiver, on a des doudous. L'été, on est un peu à poil, tu vois. C'est selon les habits. Et je sais pas, c'est le fait qu'il fasse chaud, que c'est l'été, on est décontracté, on ne travaille pas. Donc, on pense à autre chose et voilà, ça s'en fait à la fête et tout ça. Continue à rester infidèle et vas-y, hein, si ça marche, ça marche. Hein. Moi, je suis un salaud, j'ai que ça à dire, je suis un salaud. Moi, je suis un salaud, pas. Je suis un salaud. Et c'est salaud jusqu'au bout.